Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale. Et on va se faire un petit pack opening, quelques attaques et un petit coffre à couronne. Et ça va être bon ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir en premier le coffre gratuit, hein, comme d'habitude. Ou même, tiens, pourquoi on fait comme d'habitude d'ailleurs? Non, vous savez quoi, on est des fous. Bim! Hop là, le coffre d'argent direct. Ah non mais tu l'as pas vu venir celle-là, hein. Eh, t'as vu, je suis pas prévisible. Ah là là, mais attends, moi je suis un fou moi. Moi je suis un fou moi, direct, boum, hop là, coffre d'argent. Je sais pas pourquoi j'ai répété deux fois je suis un fou. Mais bon, c'est peut-être pour montrer à quel point je suis un fou, tu vois. Ouais, tout va bon, pourquoi pas. Oh, vous savez quoi, la dernière fois, oh, le soir, il était genre 10h30, un truc dans le genre, il faisait 12 degrés. On est en été, bordel de merde, 12 degrés. Oh, ok, pourquoi pas. Bon, hors de gargouille. C'est pas mal, étant donné que je dois les améliorer niveau 9, hein. C'est vraiment pas mal. Donc ouais, vous voyez, hop, les gargouilles, j'ai ce qu'il faut, donc y a pas de souci. Il manque plus que les flèches et les hordes de gargouilles, et hop là, tout niveau 9. Après, il faudrait le chaussure de cochon un petit peu, il m'en faut 22. 20, non, c'est pas ça, c'est pas 32. Donc il m'en faut 32, c'est un peu beaucoup, mais je peux pas faire autrement, moi. Donc j'aimerais bien avoir des chaussures de cochon, pourquoi pas aussi. 47 d'or, ça va, c'est pas mal. 6 chevaliers, ça fait plaisir, toujours. Hein. Une cabane de barbares, de gobelins, je veux dire. De barbares. un Arkix. Ouais, oh, franchement, un Arkix sur l'argent, j'ai envie de dire, c'est chaud patate, quoi. Hein. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu une épique sur le coffre d'argent. Non, je dois dire n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est assez rare. Hein. Les épiques sur les coffres d'argent. Enfin bon, j'ai eu un Arkix. Ça fait plutôt plaisir, mais il nous reste encore des coffres gratuits, et à mon avis, il y a moyen d'avoir des légendaires. Si on arrive à avoir de l'épique sur du coffre d'argent, alors là, sur le coffre gratuit, mais on a des légendaires, c'est obligé. 56 d'or, 2 gemmes, une cabane de gobelins. Et après, chaque fois, je me fais tromper. Oh, c'est bien, ça, cette flèche. Parce que je vais bientôt pouvoir les améliorer. Ouais, sinon, il y a quoi d'autre? 60 d'or, ouais, ça c'est pas mal, parce que je crois que c'est le maximum qu'on peut avoir à ce niveau-là. Un géant, ouais, pourquoi pas. 7 mortiers, moi ouais, c'est pas extrême. Hein. Ah, c'est pas extrême. Bon, jusque-là, on va dire que c'est moyen-moyen. Hein, c'est... Ouais, c'est moyen-moyen. Arkix, on a eu une horde de gargouilles, et des flèches. Bon, j'ai envie de dire que c'est pas extrême. Mais non, on en a pas eu qu'une, on a dû en avoir... 6 ou 7 dehors de gargouille, tu dis n'importe quoi. Oui, non, mais tu vois, t'as compris ce que je voulais dire, quoi. Bon, on a eu qu'un lot de hors de gargouille, si tu préfères, tu vois. Donc, 3 chevaliers, 7 mortiers, 2 mini PK. Bon, allez, je suis gentil, c'est cool. J'aurais préféré le cochon, hein. Mais c'est pas très grave. Et après, 14 barbares. Bon. C'est pas extrême tout ça. C'est pas extrême. En attendant. On va quand même se faire deux petites attaques après ce petit pack opening de merde. Il était pas extrême, hein, ce pack opening. Mais ça allait. T'as vu, regarde. Ouais, extracteur de XT, youpi. Du coup, je pense qu'on va se dire à tout de suite, histoire de faire deux petites attaques. Et puis après, on ouvrira le coffre à couronne. Parce qu'on aura assez de couronne, du coup, on pourra l'ouvrir, tu vois. Et donc, du coup, on va l'ouvrir. Et ouais, c'est ça qui est bon, tu vois. Au moins, ça donne un truc, tu vois. C'est genre un petit pack opening. Tu fais quelques attaques. Et après, boum, récompense. Boum. Allez, t'as un coffre à couronne. Non, mais t'as vu le. Eh ouais, mais t'as vu. Hein. Eh ouais, il y en a là-dedans. Bah, je déconne, c'est bon. Du coup, ce qu'on va faire. Moi, je vous dis à tout de suite, hein, sinon, je vais jamais y arriver. Et c'est parti, les gars, on est avec Smudge. Tu connais Smudge? Attendez, hop, on va faire ça. Oh non, il est niveau 9, mais j'avais pas vu ça. Bon. Et vous savez quoi, on a la confiance avec nous. On va y arriver, les gars, on va y arriver. C'est pas parce qu'on est niveau 9 qu'on va se faire défoncer. Oh là là. Bon, j'y crois pas trop au fait qu'on va y arriver, mais ça, c'est pas très grave, hein. Et ouais, c'est pas très grave. Bon, du coup, on envoie de l'archer. On envoie des flèches, histoire de défoncer un petit peu tout ça, là. Ouais, hop, boum. Nickel ou pas? Ok, nickel. Allez, ça fait un petit peu de dégâts. Sur les deux tours, en plus, hein. Tour de gauche, tour de droite. Nickel ou pas? Mais regardez-moi ça. Oh là là, mais on se fait plaisir. Hein. Ça, c'est bon, ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Ok, bon, tu sais quoi, on va mettre ça. Ça sera très bien. On va mettre du cochon après.
Enfin, ouais, non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Le cochon, c'est carrément mort. Bon, c'est pas très grave, on va envoyer du molosse de lave. Avec le molosse de lave, il y a moyen qu'on fasse quelque chose. C'est pas sûr à 100%, mais normalement, on devrait pouvoir faire quelque chose. J'ai eu peur, dis donc, j'ai dit merde, ça a bugué. Qu'est-ce qui s'est passé Bon, je pense qu'on va attendre un peu le temps qu'ils mettent le sorcier pour pouvoir détruire le géant, en fait. Ok, c'est bon, on met ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Espèce d'enfoiré. Je le dis direct, espèce d'enfoiré. J'avoue que là, on est dans la merde. Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Bon, on va... Alors, je sais déjà, on va garder les archers et puis on va mettre les gargouilles. Ouais, hop. Là, il devrait mettre son sorcier, non? Non, il le met pas? Nickel. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer notre Valkyrie cochon. Histoire de pouvoir faire quelque chose, un minimum. Ouais, ok, bon, ce qu'on va faire... Est-ce qu'on va faire ça? Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh, regardez à droite. Oh là 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 là, mais ça c'est bon ça, ça c'est bon. Mais oui, ça c'est bon, regardez-moi ça. Il prend la tour? Il prend pas la tour, malheureusement. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on le désingue, ce PD. Oh, c'est génial. Qu'est-ce qu'on le désingue, qu'est-ce qu'on le désingue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer. On va envoyer ce qu'on peut. On va envoyer ce qu'on peut. Ce qu'on va faire, on va envoyer Valkyrie. On va envoyer la Valkyrie. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Mais c'est génial, les gars. Oh là 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 là. On lui pète tous la gueule. Regardez-moi ça un petit peu. Regardez-moi ça comme on lui pète tous la gueule. Mais on lui pète tous tellement la gueule, tu vois, que je suis en train de crever. Mais c'est pas très grave parce qu'il y a le cochon qui va tout niquer. Pouf. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, c'est très simple. Hop, on envoie du molosse de lave, on envoie des hordes de gargouilles, on envoie une Valkyrie histoire de tout défoncer. Regarde, hop, la petite Valkyrie, tranquillou, hop là, et là on a gagné, et là on a gagné. Il n'y a plus rien à faire, moi je fais plus rien, personnellement moi je ne bouge plus. Non, je déconne, attends, il faut quand même un minimum, un minimum. Là il va tirer les flèches, bien entendu, parce qu'il est fou. Non, même pas. Ah non, bah non, bah non. Bah, de toute façon, c'était trop tard. De toute façon, c'était trop tard. Moi, je pensais que s'il allait mourir plus vite, le molosse de lave, tout ça. Mais bon, voilà. Moi, en tout cas, j'ai gagné contre un petit niveau 9. Tranquillou. Certes, j'ai pas été non plus super dynamique. Mais wesh, c'est de la balle. Le mec, il est chelou, tu sais. C'est le mec qui parle un peu bizarrement. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Super combat et bonne chance pour la suite, ma gueule. Je pense que tu t'es déjà barré parce que ça t'a énervé. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Ou alors, sinon. Tu t'es barré parce que t'as autre chose à faire. Hein, bon, on va dire que t'es plus parti que tu t'es barré. Parce que barré, c'est un peu familier, tu vois. Alors, du coup, coffre en argent, c'est cool. On a eu 3 couronnes, ça fait super plaisir. On a fait une attaque. Donc, du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour une deuxième attaque. Et après, le coffre à couronne, c'est parti. Allez, c'est parti, les gars. On est contre un niveau 9, encore une fois. Ça fait je sais pas combien de fois que je tombe sur un niveau 9. Ça commence à me vénère, ce jeu. Ça m'énerve, c'est un truc de fou. Je suis même tombé sur un niveau 10, vous imaginez? Je suis à 1680 ou 90 environ de trophées. Ça me pète les couilles. Et c'est extrêmement chiant. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ma petite horde. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mes gargouilles. Et j'espère que je vais le défoncer, charmeur. Parce que j'en ai marre. J'ai pas envie de redéchir en arène 5, ok. Il manque encore 2 coffres à gagner. Donc, il y a intérêt que j'augmente. Ok, il a pas de flèche. Ok, il a pas de flèche. Oh, enfin, on est sauvé. Ouais, on va gagner. Ouais, ensemble pour la victoire. Et après, je connais pas la suite, par contre. Je suis pas un fan de Pokémon, ok. Alors, tu vas te calmer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça. C'est qu'on va envoyer ça. C'est qu'on va envoyer... c'est tout, en fait. On va envoyer que ça. Mais c'est pas très grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'envoyer plus que ça. Parce que le mec, il sait même pas y faire. Regardez ça. Regardez ce qu'on va faire. Hop là. Et boum. Qu'est-ce que tu fais là? Oh bah qu'est-ce que tu fais là? Oh bah ça fonctionne pas chez toi hein. Oh bah non, chez toi ça fonctionne pas. Et qu'est-ce que t'as cru toi? T'as vraiment cru que t'allais arriver à faire quoi, c'est ça? Non mais je te jure, hein. Il y a des fois, il y en a, ils se disent, tiens, peut-être que, on sait jamais, peut-être. Eh ben non, mon gars, non. Bon, ce qu'on va faire, c'est que lui on va le défoncer, parce qu'il me saoule. Allez, voilà, nickel. Eux, on va les défoncer, voilà, parce qu'elle me saoule aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer... On va rien envoyer, je pense. Ouais, on va rien envoyer. Regardez-moi ça.
Oh là 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 là, c'est génial, c'est génial. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer du Valky Cochon. Tu vas voir, il va être étonné, il va faire, mais qu'est-ce qu'il fait? En plus, on va arriver dans la minute spéciale, donc ça va être parfait. Hop là, on va pouvoir défendre. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer de la gargouille. Oh, regardez-moi ça à droite, là. C'est génial. Bon. Et je l'humilie encore plus, tu vois, histoire de lui montrer que même à droite, je vais le défoncer. Oh là là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer... des archers. On va envoyer la horde de gargouilles, histoire de se faire plaisir quand même. Une petite horde de gargouilles à gauche, voilà. Donc à droite, ça sert à rien que je défende, hein, je pense bien. Même s'il me prend ma tour à droite, hein, c'est pas un gros gros problème. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer de la Valkyrie. On va envoyer... je sais pas ce qu'on va envoyer. Tiens, à la limite, on va envoyer le cochon à droite. On va envoyer les gargouilles. Tu sais, je lui montre un peu qui c'est le patron, tu vois. Bon, par contre, là, c'est pas cool. Il faut vraiment que je prenne les 3 étoiles, histoire de... Ah non, j'ai besoin d'une seule couronne. Ah bah, c'est bon. C'est bon. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer les gargouilles. Hop, là, horde de gargouilles, tranquillou. Hop, là. Et puis, voilà. Bon, bah, c'est génial. Du coup, bonne chance pour la suite, ma gueule. Yes! Heureusement que je suis tombé sur un niveau 9 qui avait rien du tout pour me contrer. Ça, c'est bon, ça. Mais alors, mais rien... De chier rien du tout pour me contrer. Oh là, et j'avais peur. Hein. Oh, j'avais les pépettes. Oh, j'étais là, je fais s'il te plaît, mets-moi contre un niveau 8, s'il te plaît. Et là, je vois un niveau 9, je fais mais non. Voilà, je veux bien frôler les niveaux, l'arène 5, mais je veux pas y aller, tu vois. Tu vois, entre le frôler et y aller, il y a une différence, tu vois. Bon, en attendant, on est toujours à arène 6, ça fait plaisir. On a un autre coffre d'arène 6, ça fait plaisir. On a 1715 de trophées, ça fait plaisir. Et on a le petit coffre à couronne. C'est parti. Alors, 367 d'or. 4 gemmes, ça fait plaisir. On est bientôt à 500 gemmes. Hein. Je rigole. Non. On est loin des 500 gemmes, mais on va y arriver, je pense. Donc, Tesla 6. Mm-hmm. 16 électrocutions, ça m'intéresse pas du tout. 25 mortiers, bon, ouais, ça m'intéresse pas vraiment. Et... 5 extracteurs de luxure, on va dire c'est raisonnable. On va dire c'est raisonnable. J'aurais bien voulu une petite épique, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Ah, malheureusement. Malheureusement. Il devrait y avoir à chaque fois dans le coffre à couronne au moins une épique. Ah ouais, non, mais ça pourrait être pas mal, hein. Ouais, mais ça serait trop facile du coup. Et tu sais combien il faut d'épiques pour finir le dernier niveau de l'épique? Je crois que c'est 500 ou un truc dans le genre. Non, 400. Je crois que c'est 400. Je suis pas sûr. Hein. Je crois que le maximum c'est 400. 200 ou 400, un truc dans le genre. Enfin, c'est on va dire une centaine. Un peu, enfin, on va dire quelques centaines. Soit entre 100 et 400, on va dire. Voilà. Qu'au moment on est à peu près vague, mais tu comprends. Déjà 100, c'est énorme. Enfin bon, déjà, enfin, c'est énorme. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, ouais, ok, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là. Eh, mais dis donc, t'as un autre coffre à couronne, tu pourrais l'ouvrir? Non. J'ai autre chose à faire. Voilà, hein, bon. Ah non, je peux pas, je dois les améliorer. D'ailleurs, je peux pas les améliorer, non? Il me faut 4000, hein, c'est énorme. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur ce... D'ailleurs, j'ai pas eu de gargouille, hein. Ah ouais, j'ai pas eu de gargouille tout le pack opening, c'est fort, ça. Du coup, je vais vous essayer sur ce. Je vous dis une prochaine vidéo. On s'est fait quand même un petit pack opening qui était assez pourri, mais c'est pas très grave. On a fait deux petites attaques assez sympathiques. La dernière qui était chaud patate, parce que c'est... Attends, c'était quand même... c'était suspense total, parce que soit j'allais à Rennes 6... Enfin, soit je restais à Rennes 6, si j'avais de la chance, soit, bim, j'étais à Rennes 5. Ah, j'avais le deck après. Ah, t'imagines les couronnes d'Arène, les coffres d'Arène 5, c'est nul. Ah bah oui, c'est nul, hein. Ah, maintenant qu'on est à Rennes 6, c'est nul, les coffres d'Arène 5, bah ouais, attends. Ah, t'es fou, toi. Bon, du coup, moi je vais aussi sur ce, je vous dis une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool. Allez, c'est parti, les gars, on est contre Alz, qui est niveau 10. Niveau 10. Et il nous faut 3 couronnes. Il nous faut 3 couronnes. Non mais t'imagines le malaise un petit peu. Il nous faut 3 petites couronnes. Tu vois à quel point je suis en PLS. Là je suis en PLS. Je suis vraiment en PLS là parce que j'ai envie de te dire que c'est la merde, hein. Regarde-moi ça. Ça fils de... Oh là 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 là. Regardez-moi ça, les gars, mais comment on va faire? Putain, mais je défends genre 10 élixirs là, ou je sais pas combien de milliards d'élixirs juste pour quelques petits trucs là. Mais c'est abusé.
C'est abusé, tu as abusé, mon gars, c'est pas possible. Oh là 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 là, les gars, si on gagne, mais je suis un BG de... Oh là, mais comment ça se fait qu'on est contre un niveau 10? Un niveau 10, regardez, il a des rares niveau 7. Niveau 7. 7. C'est énorme. C'est énorme. Gars, il a une épique niveau 4, mais en quoi je peux faire le poids contre ça? En quoi? Je comprends pas, là, son délire, là, à Supercell. Je ne peux pas faire le poids contre ça, c'est pas possible. Allez, vas-y, envoie ton petit machin, toi, histoire de bien me défoncer, quoi. Oh là 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 là, bon, allez, les gars, là, faut prendre le 3 étoiles, on est obligé, de toute façon. Si on prend pas le 3 étoiles, on est dans la merde. Bon, bien sûr, l'autre qui meurt pas, hein, histoire de pas changer. Ok, il y a moyen de faire quelque chose ou pas? Bien sûr, il faut que l'autre, il défonce tout. Allez, vas-y, on envoie ça, on envoie le cochon, tout ça. Hop. Eh merde. Franchement, je te jure, c'est vraiment un truc d'enfoiré, ça. Putain.